Oui, j'autorise. Moïse. Bon, allez. En espérant qu'ils aient pas changé d'avis, normalement, j'ai le droit de stream. Yes. Comment je passe ça? C'est un écran de chargement caché. J'en étais sûr. Sont gentils. On les aime bien, mais ils font un peu chier. Menu engage, téléton. Paf pour vous. Enfin, pour ceux qui ont pas envie d'avoir de l'anglais, vous aurez les sous-titres. Ça c'est bon. Alors. C'est bien comme c'est, difficulté. On va mettre avancé. Qui a un peu de. Bon, on va jouer comme sur Wildlands quoi, hein, c'est. On jouait comme ça. De chargement en bas à droite. Vous foutez de ma gueule là. Ça va aussi lentement que ça? 13%? What the fuck? Merci. Plus vite. Allez. J'attends. What the fuck? C'est lent. C'est des chargements assez particulier. Welcome to Aurora, the incubator of World 2.0. My name's Jay Skell, and we've been expecting you. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy, a blossoming environment, safe homes, security for your family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us, but they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech in Aurora. Together, we are building tomorrow. Allez, yes! C'est parti! On va retrouver notre cliché de force spéciale dont on a l'habitude. Quelle tronche je lui avais mis déjà à l'époque, je m'en rappelle plus. Je crois que c'était cette tronche, je suis pas sûr. C'était certainement pas celle-là, mais je suis pas sûr, donc on va prendre
Paul Dixon, et ce sera bien. C'est bon. Hercolor d'arc. Je crois que je lui ai mis cette. Je crois qu'on. Ouais, on était là-dessus, il me semble. Comment c'est avec ça? Let's go. Son sang qui affronte la gravité quand même. Ah quand même. Putain. Il y a eu du temps pour couler. Putain de lundi. God damn it. Nomade, toujours dans la merde. Ah, le bandage imaginaire. C'est un jeu Ubisoft. Ah, le bandage là, mais il apparaît après. On n'avait pas le sac à la fin de la vidéo, hein, je vous rappelle. Je pense que c'est important de vous rappeler qu'il y avait, il avait pas de sac, notre personnage. Une rift. Paf. Oh ben il ramasse ça le volet, c'est bien ça. C'est mieux que pendant la bêta, il fallait. Je pensais pas toujours à ramasser les ramasse à le volet. Ça me fait gagner du temps.
C'est marrant la manière dont il ramasse. Il y en a deux. Voilà. Il est bien. No sign of the virus here. Qu'est-ce que c'est que ce système de vie de merde? C'était quoi ça? Ça m'a complètement. J'ai fait de la foule merde. Mais c'était quoi ce système de visée automatique dégueulasse là? Iron Sight, can't. Alors, ça me plaît pas du tout. Comment désactive l'aimbot, s'il vous plaît? Vidéo, ça on s'en fout. C'est parti. On peut pas le désactiver, t'es en train de me dire. Ça c'est bien chiant. Ça pue le truc fait pour les consoles, ça. C'était pas dans l'alpha que j'avais testé, moi. C'est... Zirmos, paramètres de contrôleur, en espérant que ça vire l'aimbot là. Ferme là. Oh, putain, que c'est de la merde. Alors, classe technique, mission reminder. Y'a pas un truc, y'a pas moyen, ou alors c'est vraiment dans ce menu là, il est bloqué. C'est chiant. C'est très chiant. Bon, on verra sur les prochains ennemis, mais j'espère que c'est pas un truc que t'es obligé de garder. Parce que sinon, c'est bien la merde. Bah tiens, on va aller voir nos copains là-bas. Plus il y a des loot, donc c'est une bonne raison d'y aller. Je sais pas ce que vous en pensez. Was anyone even in there? If there were... C'est chiant. J'ai pas du tout cette manière de viser. Elle s'en sortira pas, elle, clairement. La caméra, elle est chelou. Je sais pas ce qu'elle fait. Pourquoi tu m'as mis comme ça? J'étais pas comme ça à la base, donc pourquoi tu l'as? Tu équipes automatiquement. Ah bah. Tech. Ça, c'est quand même un peu mieux que la merde. Le simple pistolet, non? Je sais pas. Après, moi, c'est vrai que je fais pas partie des forces spéciales. Allez, on loot. Frag grenade MK full, d'accord.
C'est un peu changé hein, la map là. J'ai l'impression de. Je me rappelle pas être passé par des bâtiments comme ça pendant la bêta. Quoique. Si, ça me revient, ça me revient. Super! Attends, petit... attends, oh lolo, attends, tu fous ma gueule là, j'espère. Ouais, non, mais alors, par contre, changer de coiffure en cours de route, non, c'est pas vraiment le moment. J'ai plus d'équipement parce que j'ai mis la casquette, vous voyez. En fait, il fait chaud, du coup, j'ai gagné 7 de résistance vis-à-vis du soleil. Parce qu'il faut savoir que le soleil est le pire ennemi du soldat. C'est débile. Je veux bien qu'ils mettent des parties de RPG, quoi, mais c'est. Tu gagnes pas en équipement quand tu mets une casquette. C'est pas possible. Ça n'existe pas dans la vraie vie, ça, monsieur. Contre, changement de lumière à la Ubisoft, hein, ça c'est. Ils ont un vrai problème avec ça. Ah, bah là, voilà, là on parle. S'il va être intelligent, il va venir à la porte là. Voilà. Il est pas assez bon pour regarder vers Moshu. Hein. Toujours aussi con. Ah, ça me parle un peu plus comme flingue déjà. Alors, on était. Si je me rappelle bien, j'avais pris le stealth. Mais oh, healing drone! Ça, c'est bien. Mais là, on est complètement sur du. Du The Division. Ça, c'est. Catégorique, on est sur du The Division. Enfin bon. J'aime bien le fonctionnement de Division, donc ça me dérange pas plus que ça, mais faut espérer qu'ils aient pas copié complètement le système de Division, parce que il a pas que des bons côtés, c'est. There's gotta be somebody. Et là, c'est le drame. Stormcloud 1-1, this is Weaver, come in, over. This is Weaver, come in, over. Anything? Ugats. Contact! Walker.
Joey Weaver. Et tout cassé, c'est trop bien. Par contre, c'est du le loot, c'est pas la même, hein, ça c'est clair. Parce que la dernière fois, j'avais un sniper en arrivant ici, si je me rappelle bien. Je sais plus si je l'avais déjà ou si je l'ai looté après. Ça, c'est une bonne question. Je me rappelle plus. Les mecs sont aveugles et sourds et ils regardent tous dans la même direction. Ça, c'est. C'est une zone tutoriel. Encore un clip à vue. Voilà. Automatique. Bah soit, hein. Par contre, c'est mieux qu'une casquette, hein, il paraît. Alors on est quelques-uns à se dire dans le milieu que c'est mieux qu'une casquette. Après, j'avoue, il n'est pas d'effort spécial. Mais on aime bien mettre des boucliers quand même. Il paraît que mettre un casque, c'est bon pour la santé. Quand tu te fais tirer dessus. Ça sauve pas de tout. Certes. Ça ne sauve pas de tout. Mais, petit casque, ça fait plaisir quand même. Non, sérieusement, quoi. Ah bah voilà. D'accord. Donc si, c'est quand même... Il y a des loots qui se ressemblent. Mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 5x5, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. This ghost still breathing? Ghost Lead, you can chase the White Rabbit. Or run with the Red Queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost Lead out. Allez. Par contre, va falloir arrêter de mourir l'inventaire à chaque fois que je veux aller dans la doubt. S'il vous plaît. Merci. Donc ça, ça dégage. Et comment je recycle lui? Je peux pas le... Il est déjà équipé dans un preset, mais il ne l'est plus. En fait, j'essaie de vous expliquer que il ne l'est plus du tout. C'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Donc là, toutes les armes sont automatiquement équipées d'un silencieux, c'est comique. C'est un peu pour nous dire, rappelez-vous, vous êtes dans un jeu tactique. Arrêtez de faire du bruit, bande d'enculés.
Ça c'est bien par contre. Qui commence à se faire chier sur le genre de détails au niveau de l'immersion, c'est super sympa. Voir les mecs qui arrêtent, enfin qui sprintent pas comme des malades dans de l'eau boueuse, c'est con. C'est complètement con, hein, mais c'est quelque chose qui n'était pas encore fait, quoi. C'est. Il n'y a pas l'idée de se mettre directement en position conducteur. Ça fait mal. J'ai failli me buter. Ils avaient pas encore mis ça pendant la bêta, enfin l'alpha. Mais c'est bien, c'est réaliste. J'ai failli m'enculer contre le mur. Putain. Ah, ça pique un peu quand même. Donc on peut se tuer comme ça. C'est bien noté, bien reçu. Je leur ferai plus. Je ne le referai plus. C'est ok. Ah oui, par contre, hein, préparez-vous, parce qu'il y a plein de trucs à looter sur cette première mission, déjà. Enfin, sur ce premier trajet, là. Donc, attendez-vous à des pauses. Ça, je m'en rappelle assez. Ok. Wouh, c'est pas beau. Bon, c'est pas Game Breaker, mais c'est pas beau. C'est pas très beau. Comment j'accepte? Putain. C'est de la merde. Sauf si ça peut être mis à la place d'un... de ça. Et à première vue, ça ne peut pas. Donc, démanteler, démanteler. Close in personnel. Pour l'instant, on va débloquer ça, c'est plus important que le reste. Il va falloir que je vérifie un truc, c'est est-ce qu'on peut prendre plusieurs traits de classe en même temps? Et là, du coup ça gâcherait tout, le principe d'avoir des classes. Ou est-ce qu'on ne peut pas? Et là ça ferait sens. Parce que si on peut tout débloquer, quel intérêt? Il n'y a pas vraiment de personnalisation si tu peux déjà tout acheter.
Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Il y a un coffre. Je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il y allait avoir un coffre. S'il y a des ennemis pour défendre un point d'intérêt, c'est qu'il y a un coffre. Il y a même deux coffres. C'est ça qui est bon. I was passing one of the ancient villages the other day. The whole thing was cleared out. Empty. Vines growing through roofs and all that. Goddamn shame. There's so much history there. Those ancients really cared about the environment. They didn't cause anybody trouble. Now, sentinels rounding up their descendants. It's horrible. Sentinel doesn't care about anything except profit. Civil. C'est comme ça qu'on fait. Par contre, le changement de caméra dynamique, il est dégueulasse. Il est immonde, hein, c'est mal foutu. C'est exactement la même chose que ce que j'ai, mais avec deux... Ça, ça va être horrible. Ça, c'est un truc que je déteste par contre. Ce fonctionnement... Le... On n'est pas sur... Sérieux, c'est la même arme. C'est exactement la même chose. Mais parce qu'il est, il a 4 niveaux de plus, quoi. C'est tout. 30 de 95. Il y a des niveaux d'équipement. Tu sais pas pourquoi. Ça sert à rien. Mais il y a des niveaux d'équipement. C'était capital d'ajouter un truc comme ça sur un Ghost Recon. Ouais, bah ouais, bah... Écoute... On verra la rise, hein, mais... Pour moi, ça, c'est pas un point gagnant. Hein. Qu'ils aient copié Division... Enfin, qu'ils ont appliqué un calque Division sur un... Sur un Ghost Recon, ça me... C'est pas bon. C'est loin d'être un bon point. Je dis pas. Il y a des trucs bien dans Division, mais est-ce que t'as envie de voir ça? Enfin, est-ce que t'as envie de faire la même chose que... Sur Division que tu fais sur Ghost Recon, c'est pas le même jeu. Enfin, c'est pas la... C'est ici les Ghost Recon, c'est des tactical FPS ou TPS en fonction d'eux, mais c'est des jeux tactiques, c'est pas des RPG à la con, c'est enfin, t'as pas besoin de leur appliquer d'autres filtres par-dessus, quoi. Un Ghost Recon, c'est un Ghost Recon, c'est une identité. On verra ce que ça donne. Extrêmement fluide en tout cas. Je sais pas comment ça se passe sur le live, ça a l'air d'être bien. Mais in-game c'est extrêmement fluide, à part la conduite. Il y a un peu d'eau sur la terre, vous avez remarqué ou pas? Par contre, la terre elle est rentrée dans l'habitacle. Hein.
C'est gentil, par contre, hein, les gens dans tous les jeux Ubisoft, ils laissent du merdier, des caisses d'équipement au milieu de sites historiques comme ça, là. Tu sais pas pourquoi. Ils me regardent des crédits scale. Qu'est-ce que ça faisait là? On serait dans un Tomb Raider où tu récupères des merdes comme des arcs, des flèches, des conneries, des lances. Pourquoi pas? Mais là, on est sur un Ghost Recon, tu récupères des crédits Scale, donc des crédits de la société de Jay Scale. Comme ça. Au milieu de nulle part. D'accord. Enfin, ce qui est plus discret, c'est l'hélicoptère, les trois motos et le pick-up à l'entrée de la base. Stop right there. Who are you? I was invited. Who the hell are you? Another one. You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense, you know. Just watch how you handle that weapon. You don't allow shooting in Erewhon. And what's Erewhon? A cave, so we call it. Get in. L'accueil fait plaisir déjà. What is this place? Boys are right or what? We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Can you believe this place, man? My mind's blown. Yep. They're friendly, more or less, but they're still keeping us on a short leash. You boys know what took out our birds? No clue. But there are definitely hostiles out there. Tangled with some troops out there who are calling themselves wolves. You know who we're dealing with? But now you're dealing with me. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, I assume you mean the massively wild screw-up. Hey, old man. You playing nice? I'm just trying to find out why a bunch of grunts are falling from the sky into our laps, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago of Aurora went dark. Now, we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, our choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Best we can tell, some kind of military takeover. Sentinel, military contractors, they put this place under martial law, using the old boot in the neck technique to enforce it. Skeltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia Jay Skell advertised. Where can I find Jay Skell? The head of Skelltech himself. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? We're just not sure why. All right. Well, I'll put figuring it out on my to-do list. For now, I see our wounded. Yeah. One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah?
and then come find me. I'll give you the guided tour. Ouh la vache. L'ambiance, déjà il les a... déjà il leur a fait fermer leur gueule en disant qu'il avait perdu la moitié de ses gars. C'est sûr que... ils font un peu moins les choses. C'est où? C'est là-bas. Left. Who made it? Hey, you just relax, pal. I'm doing what I can. You damn superhero. Here. Here's another superpower. I can't find Midas. But Weaver... Hey, just relax, pal. We'll take care of it, all right? And the Wasp. Yeah. And with the comms blackout, I can't reach the ship. But I'll talk to Mad Shells, the big guy. You might have a boat I can use. Don't you worry. I'll come back with some help. Go. Il pète la forme. Ça fait plaisir. Non. Équiper une mission, oui. Oui, 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 on va équiper une mission, pas tout de suite. Ah, quoi? Excuse me? C'est bon, là j'ai équipé une mission. Par contre, 10 points. Oh fuck. Alors. C'est. Tout pourri. On peut tous les avoir, d'accord. Je suis pas sûr de comprendre comment ça marche. Enfin bon. Déjà on peut en acheter plusieurs, donc ça me pose un... C'est bizarre quoi. Comme fonctionnement. On va voir après. Alors, au niveau des armes. Ça, ça m'a l'air bien. Parachute, vu le nombre de conneries que je fais, c'est... ça m'a l'air nécessaire. Alors, survie. Mais c'est des perks, mais j'ai du mal à comprendre à quel point c'est des perks. Il est rarement à premier cru. Ouais. Déjà, on a beaucoup plus d'armes, par contre. Il n'y a pas moyen de dézoomer, parce que c'est un peu chiant. Alors. Mais comment on équipe un perks déjà? Ce serait sympa de me l'expliquer ça. Ici. D'accord. Ok, on peut avoir 3 perks. Ouais, pourquoi on peut en débloquer 8 milliards par contre, du coup?
Je peux pas équiper de perk. Est-ce que j'en ai à l'heure actuelle? J'en ai pas. Donc ça explique un petit peu. On va prendre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça me coûterait combien de temps? 2 skill points. Donc on va attendre un petit peu. Alors, allez. D'accord, ok. Bon, ça commence à faire un peu plus de sens. Ce n'est pas un perk, ce je vais le prendre maintenant. Keep these perks. Ah. Ça, pour l'instant, c'est pas le plus utile. Ça, c'est un perk. Ça, c'est... c'est utile. Une telle grenade, bon, ça on peut le faire à l'œil, j'ai envie de dire. Keep this perk to get this effect. Stealth. On bat un peu les couilles tout de suite. Là. Ça c'est un perk, ça c'est un perk. Franchement là je vois pas grand chose d'autre à prendre. Ah d'accord. J'ai loupé. Enfin oui, ça c'est le problème de pas pouvoir dézoomer, putain. Un truc d'XP. Slide control. Voilà. Donc, là, on a fait déjà récupérer pas mal de trucs. Sixième sens, paf. Et puis voilà, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Voilà. C'est ma mission.